Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Kevin et aujourd'hui je vais vous présenter un véhicule. Je vais vous présenter le McLouis MC4 830. Donc tout de suite on voit qu'on est sur un porteur Fiat, hein, le 2 litres 3, 140 chevaux. On est sur un véhicule assez compact, donc on est sur un véhicule qui fait 6,49 m en dimension extérieure. Et en implantation, on est sur un salon en U, quelque chose qui change un petit peu, qu'on ne voit pas dans toutes les marques et qui peut être intéressant suivant votre usage. Donc on remarque que la porte du coup elle est complètement à l'avant du véhicule, ça c'est une particularité souvent sur les salons en U, on a la porte cellule qui est complètement avancée. À l'extérieur on remarque aussi qu'on a les deux grilles de réfrigérateur qui sont assez hautes, donc on est sur un grand frigo mais on va le revoir à l'intérieur. Et sur le côté droit on va retrouver une soute. Alors soute qui n'est pas une soute garage, encore une fois c'est dû à l'implantation. Mais on va avoir un espace de stockage qui est complètement traversant. On peut aussi glisser des parapluies ou des skis sur le côté droit. On a les accroches qui sont maintenant au catalogue systématiquement sur la version MC4 800. On peut remarquer aussi au niveau des baies, on a des baies affleurantes, donc des baies sides. Au niveau étanchéité, ça nous permet d'être plus performants et au niveau thermique aussi. On en reparlera certainement dans une des vidéos sur l'isolation. Donc l'arrière, on est sur un arrière classique sur la série 800 en fait, de chez McLouis, hein, donc avec le pare-choc bas, les petits feux ronds. On voit qu'il y a un pré-équipement pour le porte-vélo. Ça vous permet, si vous souhaitez mettre un porte-vélo, d'être un peu moins cher en tarif, parce que le porte-vélo est moins cher et la main-d'œuvre est plus rapide. Tout à fait en haut, sur le petit spoiler en haut, on voit qu'on a une caméra de recul. Donc celui-ci est avec un pack d'équipement qui propose la caméra de recul avec le multimédia. Donc sur ce véhicule-là, la plupart des commodités en fait sont à gauche, donc côté gauche du véhicule. Donc là, on va retrouver une porte de soute. Tac. Donc la même porte quasiment que de l'autre côté, avec le même accès. C'est la même soute, hein, elle traverse tout le véhicule. La sortie du chauffage, donc on est sur un chauffage gaz, le chauffage Truma, donc le combi. Et donc là, le coffre de gaz, donc deux bouteilles de gaz, hein, encore une fois, combi égale deux bouteilles de gaz quand on est en combi gaz, forcément. Et après, on a le classique, la prise de 220, la cassette des toilettes, le remplissage d'eau. Petite particularité, ça s'est fait il y a quelques années, dans les années 2007-2008, si je ne me trompe pas, chez McLouis, ça avait disparu, ça revient. C'est des rangements dans les bas de caisse. Donc certains modèles de la série 8 l'ont. Voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne surprise, plutôt bien, souvent c'est apprécié des utilisateurs, ça permet de ranger les cales, la prise électrique, le crochet d'eau sans avoir à le mettre dans la soute qui souvent est fait pour plutôt les tables, les chaises. Donc là c'est un accès ultra rapide. Donc voilà pour le tour extérieur. Donc on est sur une, chez McLouis, on est sur une carrosserie en polyester, hein, avec une isolation en styroform. On a le look classique de la série 8, c'est-à-dire robe blanche avec des petits autocollants gris et rouge. Allez, c'est parti, on va voir à l'intérieur. Donc déjà, premier point, porte 2 points de fermeture. On voit qu'il y a le petit contacteur sur la porte, donc ouverture centralisée. Chez McLouis, ça s'est généralisé aujourd'hui, tous les véhicules, même série 8 ou série 3, ont l'ouverture centralisée. Allez. Donc la partie cabine, les Fiat, voilà, hein, comme sur toutes les vidéos, on vous le dit, on commence à les connaître. Au niveau du tableau de bord, voilà, c'est du classique. Ce qui ne va pas être classique, c'est le multimédia Pioneer. Donc on voit que McLouis a fait le choix dans son pack accessoire d'inclure le multimédia Pioneer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on voit aussi qu'on est avec les commandes au volant. Donc le multimédia est relié aux commandes au volant. Autre chose dans la cabine, on voit aussi les stores plissés. Donc les stores domotiques, c'est plutôt un accessoire apprécié des utilisateurs et qui est souvent demandé quand ils n'y sont pas. Et malheureusement, c'est que ça coûte assez cher quand ils n'y sont pas. Donc là, bon point en tout cas pour le 830, c'est dessus. Ce qu'on peut voir aussi dans le 830, c'est le dôme au-dessus qui est assez grand. Alors c'est un dôme, c'est un sky dome, ça c'est l'appellation. Et c'est un sky dome qui est ouvrant. Donc on peut l'ouvrir pour faire rentrer un petit peu d'air, pour rafraîchir. Ça rend le véhicule
plutôt lumineux, en tout cas dans la partie cabine, on voit que c'est assez clair. Donc là, je me suis reculé un peu, on est dans la partie salon. Donc à savoir que ce véhicule-là, c'est un 4 places carte grise, 4 couchages. Donc la table peut se transformer, on va le voir, pour pouvoir faire un lit, un couchage bas. Là, dans un premier temps, au niveau de la table, ce qu'on remarque, c'est que c'est assez cool. On peut la brasser vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire que si je veux vraiment me décaler, ouais, j'ai de la place. Il n'y a qu'une seule poignée pour la bouger. Donc c'est plutôt rapide et efficace. Le design de la table aussi est plutôt joli. En brillant avec le petit rebord, on voit que c'est bien fini. Les coussins où je suis assis, ben on est sur un combo simili-cuir tissu. Un coloris en plus qui est assez sympa. Hein. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de ces coloris-là. Moi, je trouve que voilà, ça rend le véhicule plutôt clair. Et le simili-cuir, on sait que c'est apprécié pour le côté lavage facile. Donc là, certains ont remarqué que le pied télescopique, c'est parce que ce qu'on disait, on est sur un 4 couchages, donc il y a un couchage qui se fait sur la table. Donc le pied en fait va pouvoir se baisser, on va avoir tout un système de rallonge. Ici, on va venir poser un matelas avec une planche à ce niveau-là pour pouvoir faire un lit dans le sens transversal du véhicule. Encore une fois, c'est peut-être que notre avis, là on est sur un véhicule que McLuhan a voulu mettre en 4 places carte grise, en 4 couchages. Clairement, il y a 3 couchages qui sont très faciles parce qu'on est sur des systèmes de lit pavillon, donc ça va très vite, ça se fait ultra facilement. Le 4e couchage, on sait que souvent tout ce qui est dinette à baisser ou autre, c'est moins apprécié. Pour moi, ce serait plus un véhicule qui s'apparente à un véhicule 3 places. 2, c'est vraiment top. Le 3e a plutôt du confort. Donc voilà, un véhicule 2-3 places assez facile. Donc le coin cuisine, donc vu qu'on est aussi sur un véhicule assez court, on l'a dit en début de vidéo par rapport à l'extérieur, on voit que le coin cuisine est un petit peu rétréci. On y retrouve l'essentiel, un évier qui est plutôt grand. On voit que si on met une bassine, ça va loger tranquille. Un feu de gaz. Donc ça, dans la dernière vidéo, on avait lancé dans les commentaires plutôt feu de gaz ou feu 3 gaz, ben, beaucoup ont répondu quand même feu de gaz, donc là voilà, on est toujours sur du feu de gaz, hein. McLuhan a essayé de suivre les recommandations que vous leur donnez. Au niveau de la cuisine, ce qu'on remarque aussi, il y a une crédence au niveau de la fenêtre, on voit qu'il y a un petit rebord là, je pense que c'est un inox ou un alu, on voit vraiment que c'est bien fini, le petit cache pour la partie graisse, pour pas qu'on vienne graisser la paroi. Ça, c'est intéressant, hein, le petit joint pour éviter que l'eau s'infiltre. On voit qu'il y a une certaine finition qui est proposée par McLuhan sur cette série-là. En termes de rangement, donc on va avoir un grand placard avec une coulisse, petit panier coulissant. On va avoir après des tiroirs. Donc assez profond, hein, ils les ont fait de façon à ce que ça aille quand même... je pense quasiment jusqu'au bout de la paroi, donc ça c'est intéressant, pas de place perdue. Et donc dans une cuisine, il faut forcément un réfrigérateur. Et là donc on a le réfrigérateur de chez Tedford. Donc on est sur le 142 litres hein, de chez Tedford. Donc le réfrigérateur qui est souvent appelé réfrigérateur slim, en automatique. Donc il se change tout seul de source d'énergie. Et là-haut, on l'a zappé. On l'a zappé, mais on n'aurait pas dû, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. On voit le gros bloc ici, qui prend certes un peu de place dans le placard. Par contre, point très intéressant, parce que c'est une hotte aspirante, une hotte à extraction, donc on l'a expliqué plusieurs fois dans quelques vidéos. On vient vraiment sortir les graisses et l'air à l'extérieur du véhicule. C'est-à-dire que c'est pas juste un filtre, on filtre pas, là on prend, on met dehors. Donc derrière cette porte, on va retrouver la partie salle d'eau et toilette. Toujours encore une fois, hein, je me répète un peu, mais véhicule compact, donc bah forcément, le véhicule compact a des avantages par rapport au fait de circuler ou autre, et quelques inconvénients bah, concernant la place, ou en tout cas, c'est pas forcément pour moi, c'est pas des inconvénients, parce que les utilisateurs et les acheteurs de ce produit-là savent qu'on va rétrécir l'intérieur, forcément. Donc alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la partie salle d'eau? Bah, le toilette, Tedford, rien de particulier, hein. Il y a deux modèles chez Tedford. Ça, c'est le premier modèle. Il y a le deuxième modèle. Ils sont quasiment similaires. Et ici, on a la partie douche. Donc, dans la partie où je suis, ils ont quand même séparé. On voit que c'est pas. On a quand même un bac. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas un bac commun ou autre. Moi, je vois que j'ai bien un bac là où j'ai mes pieds. Alors que là-bas, on est sur une partie autre. Donc, c'est plutôt intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer. On va fermer la paroi de douche.
pour vous montrer un peu l'espace et comment ça se passe. On va avoir une paroi de douche. Tac. Et la deuxième va cacher mon lavabo et rejoindre l'autre. Donc là, je suis complètement fermé dans la douche. En termes de hauteur, c'est pas mal. Hein. Là, si vous voyez ma main là-haut, bah, moi je fais 1m60. On voit que je peux tendre le bras. J'ai quasiment le bras tendu complet. Donc je pense que même pour les gens qui sont assez grands, 1m80, ça sera, c'est pas mal. En termes de largeur, on a vu des douches plus larges, c'est sûr. Mais encore une fois, voilà, petit véhicule, c'est pas mal, c'est pas mal. On est sur des douches, si on le compare un peu aux fourgons, on est quand même sur des douches qui vont être plus grandes que les fourgons. Et en tout cas, une fois que j'ai fermé les parois, là, si on regarde, moi, si je regarde en bas, etc., je suis sûr de ne pas mettre d'eau ailleurs. Hein, et c'est pas un rideau. C'est vraiment des parois. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc de l'autre côté, on a un petit lavabo. Alors là, ils sont enlevés, mais on a un petit verre normalement pour les brosses à dents, etc. On a aussi un petit porte-savon. La taille, voilà, c'est petit, mais c'est ce qui se fait aujourd'hui en camping-car. Grand miroir, par contre, avec le logo McLouis. On voit qu'il y a deux petits spots d'éclairage. Une extraction, parce qu'effectivement, on est dans une partie douche, donc il faut qu'il y ait une extraction. Et un petit peu de rangement en dessous. Avec le papier toilette, le support papier toilette. Et là, on arrive dans l'atout charme de ce véhicule-là, donc la partie salon. Donc toujours une table, parce qu'on peut aussi manger là, c'est pas un problème. Mais là, c'est vraiment, bah ouais, c'est le salon en U, on l'a vu dans quelques marques. McLouis l'avait pas proposé il y a quelques années, il le propose maintenant. Il est plutôt réussi, on voit que c'est un vrai U. Des fois on a des U, mais en fait c'est des L sur certaines marques. Là on a un vrai salon en U, avec de la place. Je pense 1, 2, 3, 4, 5, avec sans serrer, vraiment sans serrer. Donc pour l'apéritif ou manger, ça peut vraiment, je pense que ça peut être sympa. On a quand même, on voit qu'il y a plusieurs rangements qu'on n'a pas forcément sur tous les salons. Moi je vois ce placard là qui est juste en face de moi. Et qui est très grand. Donc en fait, à l'intérieur, on a une penderie. Donc on voit qu'il y a de la place. Hein. On va se retrouver aussi avec des rangements tout le long du lit pavillon. Donc là-haut, c'est un lit pavillon. On va le baisser tout à l'heure, on peut descendre le lit. Donc là, on voit, il y a du rangement là, il y a du rangement là. C'est des rangements qui sont profonds. On voit aussi, ça c'est apparu il y a un ou deux ans, je crois, chez McLouis. Un petit amorti du placard en fait, pour éviter que quand vous rouliez, les placards fassent du bruit. Donc toujours intéressant. On voit que si on a une télé, elle est sur son support qui est déjà fourni. Et vous avez le support qui est juste dans l'angle. Alors là, pour ceux qui sont adeptes de la télé, des feuilletons, etc. Je pense que si vous êtes dans l'angle du canapé et que vous regardez la télé, c'est l'endroit rêvé. Et sous la télé, on a encore un rangement, donc accessible soit par ici, donc par devant, ou soit par le côté. Donc ça aussi, c'est plutôt cool d'avoir un double accès, c'est toujours bien. Au sol, on voit aussi une trappe. Donc c'est du rangement, ça peut être la cave. Donc y a un beau salon pour prendre l'apéritif, et il y a une belle cave qui est fournie avec. Donc là-haut, on a le lit pavillon, donc un lit pavillon qui est électrique, hein, c'est le cas pour celui de l'avant et celui de l'arrière. Donc là, il suffit de mettre la petite clé qui va bien, tourner, et le lit descend. Alors je peux l'arrêter à plusieurs hauteurs, c'est moi qui décide, hein. C'est pas un contacteur ni rien, c'est vraiment la clé qui le fait. Donc là, on va avoir un lit de place, donc avec un sommier à latte. Donc vraiment quelque chose de confortable. Si je veux pas, parce que là on voit il y a des petits crochets pour mettre une échelle pour monter, si jamais je veux vraiment baisser plus bas, j'ai la solution. Ma table elle se baisse, donc je peux baisser le pied de table, je peux coucher mes coussins et descendre mon lit encore plus bas. Le but en fait c'est juste de monter sans avoir d'échelle et que ça soit accessible. C'est au choix, c'est vous qui choisissez suivant votre utilisation. Donc là on a le lit avant, donc pareil le lit avant, hein, système de clé. Donc là on est sur un lit une place. Hein. Donc la clé, on a juste à tourner. Donc là le lit ne va pas se baisser complètement en bas, hein, il va s'arrêter avant. Voilà.
Là, je l'ai baissé au maxi. On met l'échelle, on monte. On vous remettra dans la description les dimensions du lit, je les ai plus en tête. Même principe, sommier à latte, avec une épaisseur de matelas qui est tout à fait convenable. Et même en termes de literie, des fois, c'est un choix suivant les marques. Les gens disent que la literie est de plus ou moins bonne qualité. S'il y en a d'entre vous qui sont possesseurs de McLouis récents, on va dire, après les années 2010, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous pensez de la literie. Nous, on n'a pas de mauvais retour par rapport à ça. Les gens sont plutôt contents des systèmes de coussins ou des systèmes de literie. Le choix de McLouis a été plutôt bon. Donc on a fait un petit peu le tour du véhicule, de l'aménagement. Donc un aménagement assez particulier, mais plutôt sympa, hein, ceux qui aiment l'espace. Qui veulent pas privilégier le coin nuit, comme un lit central ou autre, mais vraiment privilégier le côté espace, convivial du salon en U. C'est vraiment des véhicules qui sont faits pour ça, c'est vraiment des véhicules qui sont top par rapport à ça. Si on élargit un peu et qu'on parle de toutes les options, donc on les a balancées un petit peu comme ça au cours de la vidéo, mais si on fait un petit récap, on est sur un véhicule qui est en 140 chevaux, donc de chez Fiat. On est sur un véhicule qui a les stores plissés cabine, qui a la caméra de recul, avec le multimédia Pioneer, et c'est un véhicule qui a aussi le panneau solaire. Donc ça, c'est ce qui est monté par l'usine McLouis dès le départ sur le véhicule. Souvent, les gens nous demandent, là, on va vous faire un prix qui est un peu différent, c'est-à-dire on va parler véhicule équipé, parce que souvent, les marques nous donnent un véhicule avec plus ou moins d'équipement, plus ou moins d'accessoires, mais les gens nous disent, oui, mais d'accord, mais moi, si je veux le store, si je veux le panneau solaire, si je veux ça, ça fait quoi sur le prix du véhicule ? Donc par exemple, si on prend ce MC4 830, donc modèle 2020 forcément, avec les équipements que je viens de vous citer, mais si on rajoute en plus de l'équipement, on va dire traditionnel, si on peut appeler ça comme ça, antenne SAT, TV, store extérieur, ça aujourd'hui c'est ce qui nous est souvent demandé, on arriverait à un véhicule équipé avec frais d'immatriculation et frais de livraison à 61 648. Donc là on est vraiment sur un véhicule clé en main. Donc, on a l'équipement, on a la carte grise qui est payée, on a les frais de livraison qui sont payés, je suis prêt à partir et je suis à ce montant-là. A savoir, pour vous donner une idée, le prix de base du véhicule du MC4 830 en 120 chevaux, normalement, c'est 55 990. On vous remettra la fiche dans la vidéo pour avoir tout le détail et le détail aussi des prix de pack. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, on vous souhaite, comme toujours, une bonne utilisation, un bon voyage et on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas, nouvelle vidéo tous les jeudis à 11h.